Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de David Ricardo. Alors, Ricardo est un des plus grands économistes libéraux. C'est l'un des plus influents de l'école classique. On peut aussi citer Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Thomas Malthus, qui sont des économistes de l'école classique. Mais Ricardo, on peut le définir comme étant le père du libéralisme. Et c'est probablement l'économiste le plus important de la pensée économique. Aujourd'hui encore, il continue à influencer beaucoup de politiques économiques et énormément d'économistes se réclament de David Ricardo. Alors David Ricardo, il est né le 19 avril 1772 à Londres, il est mort le 11 septembre 1823. C'est donc un Britannique. Il a fait fortune comme agent de change, il était spécialisé dans la gestion de la dette publique britannique et il devient assez riche pour prendre sa retraite à 42 ans, ce qui est quand même pas mal. Et suite à ça, eh ben, il devient économiste et député au département britannique à la Chambre des communes. Il a siégé parmi les non-inscrits. Alors, c'est amusant parce que son lancement dans l'économie, en tant qu'économiste, ça vient d'une lecture qu'il a faite pendant des vacances pendant lesquelles il s'embêtait énormément. C'est une lecture du livre d'Adam Smith qui l'a décidé à se lancer dans l'économie. La pensée de Ricardo aujourd'hui, elle tournerait probablement autour de cinq grands thèmes, cinq grands points. Le premier thème, c'est supprimer les rentes. Et supprimer le protectionnisme, c'est la même chose. Donc pour David Ricardo, les rentes, elles profitent aux rentiers, mais désavantagent le reste de la population. Prenons un exemple simple et connu de tous, les taxis. Un taxi reçoit une rente de la puissance publique qui est matérialisée sous la forme d'une plaque. C'est bien une rente parce que cette plaque, elle permet au taxi de vendre un service de transport à un prix défini par l'État et avec une concurrence limitée par la puissance publique aux autres taxis. Il n'y a qu'un nombre de plaques limité. La plaque du taxi, ça lui donne donc l'assurance de disposer d'un nombre de clients à un prix non concurrencé. Le fait qu'il ait acheté sa plaque ne change rien. Le fait qu'il travaille réellement ne change rien non plus. Il n'a pas de concurrence sur la qualité de son service, ou très peu de concurrence sur la qualité de son service, et il n'a aucune concurrence sur le prix. Il y a peu de taxis et le prix est toujours le même. Le taxi est donc avantagé par cette rente, alors que le reste de la population est désavantagé. Ben, c'est exactement la même chose avec le protectionnisme. Prenons un exemple. On ne fabrique plus, ou presque plus, de chemises en France. La majorité des chemises sont fabriquées en Asie, où leur qualité est équivalente à celle qui existait en France, et le prix est beaucoup moins élevé. Imaginons maintenant qu'un gouvernement protectionniste décide une mesure en montant les droits de douane sur les chemises, pour permettre aux fabricants français de chemises de développer leur commerce en France. Les fabricants de chemises français et leurs salariés seront avantagés parce que les prix des chemises venues d'Asie vont fortement augmenter à cause des droits de douane. Ils vont donc vendre plus de chemises sans avoir à améliorer la qualité des chemises ou leur productivité. Le reste de la population, elle achètera ses chemises plus chères sans que la qualité des chemises ait augmenté. Le protectionnisme profitera donc à celui qui est protégé. Ici, dans l'exemple, c'est l'industrie française de la chemise, et ça désavantagera tout le reste de la population qui sera obligée d'acheter ses chemises plus chères. Le second thème, c'est que l'impôt freine l'économie en amputant les capacités de dépense des agents privés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous dépensez 1 € d'argent public, vous empêchez un agent privé, un ménage ou une entreprise, de le dépenser, car l'État prend cet argent aux agents privés, soit par l'impôt, soit par l'emprunt. L'État doit donc à la fois s'assurer que cet argent est mieux utilisé par lui que par le privé, mais il doit aussi se demander quelles dépenses privées il a supprimées en prenant 7 euros pour la dépense publique. De même, Ricardo est un défenseur de l'équilibre budgétaire, parce que si à court terme, le déficit n'a pas d'impact sur l'économie, à long terme, l'État doit rembourser le capital et les intérêts de ses emprunts. C'est ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne dont nous parlerons tout à l'heure. Rembourser le capital et les intérêts de ses emprunts, ben cela revient à prendre des impôts à tous, y compris aux pauvres, pour rembourser l'argent prêté par les riches. Le troisième thème, c'est que la source de la richesse, c'est le travail.
Le quantitative easing ne sert à rien. Alors le quantitative easing, c'est l'équivalent moderne de la planche à billets. La banque centrale essaye par tous les moyens d'augmenter le nombre de billets, la masse monétaire, en circulation. Pour cela, elle achète des bons du Trésor, ce qui revient à prêter à l'État, ou d'autres titres. L'espoir qu'elle a, c'est d'inciter les acteurs économiques, principalement les entreprises, à investir, et les banques à accorder de nouveaux prêts. Ricardo parlait de solutions alchimistes. Vous savez, les alchimistes cherchaient à créer de l'or à partir du plomb, comme les banques centrales cherchent à créer de la richesse à partir de la monnaie. Pour Ricardo, la monnaie est une mesure de la richesse. Ainsi, lorsque l'on multiplie la quantité de monnaie, on ne crée pas de richesse. On diminue la valeur de la monnaie. La seule façon de créer de la richesse est bien de mobiliser le travail. Quatrième point, l'équivalence ricardienne. L'équivalence ricardienne, c'est une théorie économique, qui est appelée aussi effet Ricardo-Barrot, qui a été annoncée tout d'abord par David Ricardo, puis qui a été reprise par Robert Barrot en 1974. Selon cette théorie, il y a une équivalence entre l'augmentation de la dette publique aujourd'hui et l'augmentation des impôts demain. Tout simplement parce que ces impôts de demain devront servir à rembourser la dette publique qui a été faite aujourd'hui et rembourser également les intérêts. Donc, d'après cette équivalence ricardienne, si les agents économiques, les ménages et les entreprises se comportent de manière rationnelle, une politique de relance par la consommation, que ce soit la distribution de revenus financés par la dette publique ou la baisse d'impôts alors que le budget est en déficit, ne poussera pas les acteurs économiques à consommer ou à investir, mais plutôt à économiser, à augmenter les taux d'épargne en prévision des hausses d'impôts futures. Cinquième point, la théorie des avantages comparatifs. David Ricardo a montré que tous les pays, même les moins compétitifs, trouvent un intérêt à rentrer dans le jeu du commerce international, de la mondialisation, en se spécialisant dans la production où ils détiennent l'avantage relatif le plus important ou le désavantage relatif le moins lourd de conséquences. Dans le chapitre 7 des principes de l'économie politique et de l'impôt, Ricardo développe l'exemple des échanges de vin et de draps entre l'Angleterre et le Portugal. Avec un nombre d'heures de travail donné, le Portugal produit 20 mètres de draps ou 300 litres de vin, tandis que l'Angleterre produit 10 mètres de draps ou 100 litres de vin. L'Angleterre est donc désavantagée dans les deux productions. Ricardo montre pourtant que l'Angleterre a intérêt à se spécialiser dans la production de draps, où elle possède un avantage relatif, car avec 10 mètres de draps, elle obtiendra 150 litres de vin portugais contre 100 chez elle. À l'inverse, le Portugal devra se spécialiser dans la production vinicole, puisque l'échange avec l'Angleterre de 300 litres de vin portugais lui permettra d'obtenir 30 mètres de draps anglais au lieu de 20 mètres de draps portugais. L'Angleterre a un avantage comparatif dans la production de draps, alors que le Portugal possède un avantage absolu. L'analyse de Ricardo montre ainsi que la spécialisation fondée sur les avantages comparatifs permet une augmentation simultanée de la production de vin et de draps. Dans ce modèle, il existe toujours une combinaison de prix telle que le libre-échange soit profitable à chaque pays, y compris le moins productif. Il s'agit d'un jeu à somme positive. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Ricardo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et en parler autour de vous. Merci.